C'est l'usine là où ça bouge, l'usine utopique, c'est là où nous nous trouvons, c'est un lieu d'exposition qui accueille Bouillon Cube, bref, là où ça bouillonne. Neuf artistes de Normandie ou des régions voisines ont déjà exposé dans cette galerie. Chacun d'entre eux a choisi une œuvre pour cette exposition collective. C'est tout simplement une galerie associative qui est installée près à Orval, près de Coutances, en pleine campagne. Mais l'espace d'exposition de Bouillon Cube est trop petit. Alors ils ont choisi l'usine utopique, ici à Tessy-Bocage. Un espace de travail et d'exposition d'art contemporain. Dans la Manche, il y a malheureusement très peu de lieux où on a accès à l'art contemporain. Et du coup, ben voilà, c'est l'initiative, en tout cas, vient de là, de vouloir amener en fait la création contemporaine à toute une partie de la population qui n'a pas forcément vocation à prendre la voiture tous les week-ends pour aller faire une exposition à Caen, à Rennes ou au-delà. Mais l'art contemporain, en fait, on a énormément de courants qui sont différents, des techniques, des natures de production qui sont parfois à la limite d'autres choses, par exemple, entre plastique, plasticité et écriture, littérature, poésie, et puis sculpture et dessin. Donc on est à chaque fois dans des limites. Bouillon Cube explore toutes ces limites pour pouvoir les présenter aux gens. L'exposition 30 faces du cube se poursuit jusqu'au 5 avril.